Actuellement, 82 000 salariés travaillent dans les secteurs du commerce, services et distribution dans le Puy-de-Dôme. 35% d'entre eux sont des salariés qui travaillent dans une structure, dans une très petite structure. C'est-à-dire 30 000 de ces salariés n'ont pas de représentants du personnel, n'ont pas de délégués du personnel, puisqu'ils sont dans des entreprises qui accueillent moins de 11 salariés. La CGT a fait un constat qu'il y avait beaucoup de méconnaissance en matière de législation de travail, mais également aussi en matière de démarches relatives à la formation professionnelle, relatives à l'hygiène, à la sécurité. L'absence des délégués du personnel, l'absence de syndicats dans ces petites structures fragilise considérablement ce salariat et expose beaucoup plus les salariés à des réorganisations structurelles arbitraires, voire même des dégradations volontaires des conditions du travail, entraînant régulièrement, malheureusement un peu trop souvent, des ruptures de contrat et pas toujours dans le respect des règles. C'est la raison pour laquelle la CGT va à la rencontre de ces salariés pour les informer qu'ils ont des droits, pour les informer de leur convention collective. Le journal des salariés des très petites entreprises qui a été édité et créé par la CGT, l'artisan de vos droits. Enfin, les salariés des petites structures ne sont plus les laissés pour compte. C'est la CGT qui vient vers eux pour leur informer de leurs droits. Depuis décembre 2012, les salariés de ces petites structures ont majoritairement fait confiance à la CGT puisqu'ils ont placé ce syndicat en haut de leur vote, puisque la CGT représente sur le département de Puy-de-Dôme plus de 40% des votes favorables. Il est important que les salariés soient informés de leurs droits, notamment qu'il y a un prochain rendez-vous, notamment au terme de la mesure de l'audience de la représentativité, puisque les prochaines élections dans les TPE auront lieu fin 2015. Si tout va bien, à moins qu'on n'ait pas, comme la suppression des élections prud'hommes, des remises en cause par le gouvernement qui sont très friands de ce genre de choses en ce moment. Par contre, effectivement, on est contacté même aux villes. C'est là où je suis très surprise. C'est que les gens nous arrêtent en ville et nous demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de distribuer, qu'est-ce qu'on est en train de préparer. Alors après, certes, après on rentre dans les commerces pour effectivement rencontrer les gens. Mais c'est là où c'est surprenant, c'est que les gens sont un petit peu plus inquiets ou sont un petit peu, font un petit peu attention. Parce qu'effectivement, certaines fois, ils ont un petit peu peur d'un syndicat alors que ça risque strictement rien et que personne n'est là pour simplement pour savoir leurs droits. Les gens sont intéressés pour savoir leurs droits parce qu'ils ont, il y a Internet, mais l'Internet ne suffit pas. Il faut aller à la rencontre des syndicalistes qui sont au courant des choses et qui peuvent amener au plus juste les bonnes réponses pour les salariés.